Je vous ai senti bouillir à plusieurs reprises en entendant Guillaume Pelletier. Oui, je vous avoue que je ne trouve pas le débat à niveau par rapport aux préoccupations des Français. Hein, on va vous laisser. Pourquoi et j'ai vraiment un sentiment de Muppet Show, là, vous voyez, à ma droite. Donc, on va vous laisser entre gens qui votaient ensemble pour les mêmes 40%, s'il vous plaît. Donc, pas de mépris. Ouais. Vous faites 25% avec toutes les gauches. C'est un désaccord. Pas de mépris. Il y a des soirs de défaite, il y a des soirs de victoire. Vous verrez. Il faut apprendre. J'entends c'est bien. Dans la défaite qu'on apprend. Précisément. Donc là, je pense que vous pourriez rabaisser un tout petit peu votre caquet. Mais vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà. Baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire, très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser Madame d'un ton. Madame Dati, c'est alors honteux. On va pas recommencer. Recommencer, parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Rachida Dati, on va laisser Clémentine Autain. Le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous.